Messieurs, dames, bonjour. Je vous quitte avec cette dernière vidéo, mais avec le loulou avec qui tout a commencé. Pour ma part, j'arrête là, tout simplement. Prendre l'air, m'aérer, m'a permis de faire le point, de prendre du recul, un petit peu sur tout. Et encore là, je discutais sur des groupes Facebook parce que j'essaie de me retirer au plus de la civilisation. Et je rappelais à une personne que dès l'âge de 5 ans, il fallait que j'aille chanter Voulez-vous danser? Grand-mère à ma grand-mère qui allait pas bien, etc. Tout ça pour dire que, contrairement à ce que l'on peut croire, je tiens tout le temps la main des gens et leur torche les fesses. À mon sens, l'humanité n'est jamais passée à l'âge adulte. Alors, il y avait voilà, tout un travail, toute une matière et des vidéos qui en attestent à mon sens, mais tout ça à présent est caduque. Je m'arrête ici, tout simplement. Et encore une fois, je pense que l'être humain n'a pas évolué tout en amalgamant, pardon, je vais y arriver, beaucoup de choses, dont encore une fois aujourd'hui la technologie et sa propre singularité, si je puis dire. Mais il faut être lucide. Regardez autour de vous. Encore hier, je suis à un arrêt de bus, une nana arrive, a besoin de discuter, etc. Ok. Mais je vais pas faire ça toute ma vie, ce qui a déjà été le cas jusqu'à présent. On n'a pas évolué. Regardez autour de vous. Donne-moi de l'amour, donne-moi du temps, donne-moi de l'intérêt, donne-moi un sourire, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes, etc. C'est triste, c'est d'une grande tristesse. Parce que ce que l'homme cherche et attend des autres et absorbe des autres, il peut le créer en lui-même. Et s'auto-suffire, et en ces termes, alors être quelqu'un d'utile, d'adulte aux autres. Mais il faut être lucide. Rien de tout ça n'est réel. Pour ma part, ça s'arrête ici. J'estime qu'après 25 ans, évidemment, ayant mes torts et mes passages à vide, mais 25 ans de bons et loyaux services, si je puis dire encore une fois avec mes immenses parts d'imperfection et d'erreur, j'estime qu'il est temps, à présent pour moi, de quitter tout simplement la civilisation. Pas plus, pas moins. Je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas être dans la lumière, je ne veux pas être considéré comme quoi que ce soit. Et du peu que j'ai fait déjà, je vois que les gens me regardent avec le sourire, sont contents, attendent de moi. Mais c'est pas de moi qu'ils doivent attendre. J'essaie de faire ça pour que eux, en eux-mêmes, s'animent de cette même énergie ou d'une énergie qui leur est propre. Mais non. L'être humain ne bouge pas, attendant que ça vienne des autres, espérant qu'un miracle tombe du ciel. Je vous souhaite vraiment de vous en sortir, même si pour vous il n'y a plus d'espoir, il va vous falloir le créer, vous savez que bien des obstacles vous attendent, et pour la plupart bien des tourments, bien des souffrances, et elle sera évidemment aussi collective, et c'est ce qui fera votre force. Un jour viendra où vous devrez vous battre ensemble, et singulièrement aller chercher ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous n'aurez pas d'autre option. Courage. Courage. Pour que cette dernière vidéo quand même se termine avec de l'espoir, sachez qu'il y en aura toujours. Toujours, mais que ça dépendra de vous. Et vous seul. Je vous souhaite de vous en sortir profondément et sincèrement. Ce qui m'a toujours tenu, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai jamais pu me sauver moi-même, mais c'est vous. Et voilà, parce que malgré tout, je vous ai toujours évidemment aimé profondément. Mais l'amour ne fait pas tout. Et comme en 2014, quand je suis parti, que j'ai tout quitté, une de mes tantes m'a appelé en pleurs en me disant « On t'a aimé, mal peut-être, mais on t'a aimé, certes. Mais comme quoi, le plus beau, noble et puissant des sentiments, s'il n'est pas accompagné d'autres paramètres, peut tout autant créer la destruction. Il serait judicieux peut-être de passer en mode création, ça serait pas mal, et surtout de sortir de l'enfance, de mettre ses couches à la poubelle, de relever la tête et d'affronter les obstacles qui sont en chemin. Courage,
Vous garderez toujours, et j'aurai toujours évidemment en mon cœur, voilà, l'homme et la vie, ça va de soi dans son ensemble. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ne tient qu'à vous. En tout cas, je l'espère. Je ne peux le garantir, mais je l'espère sincèrement. Et si vous ne le faites pas pour vous, retournez-vous. Sortez dans la rue pour ceux qui ne sont pas parents. Et regardez les gamins. Et essayez de vous dire que voilà. Au moins pour eux. Au moins pour eux. Qui subiront le chaos si vous n'agissez pas. Courage. Et bonne continuation.